crâne pour une édition historique. Édition historique, effectivement, du prix du Moulin de Longchamp. C'est un groupe 1 avec Victor Ludorum qui va se retrouver en dernière position. En revanche, Persian King et Circus Maximus ont pris d'excellents départs. Et déjà, ils mènent avec plusieurs longueurs d'avance sur Siskin qui, à Toc Rose, est en 3e position. Alors que le favori Pinatubo, en bleu, est en 4e position avec Romanized qui vient en avant-dernière position. Toujours le numéro 6, Victor Ludorum, qui est en dernière place. Les concurrents qui sont emmenés par Circus Maximus, le tenant du titre, alors que Persian King en profite pour se placer dans son dos. À une dizaine de longueurs plus loin, on retrouve Siskin qui va maintenant tenter de faire la jonction avec en quatrième position Pinatubo. Romanized est en avant-dernière position et toujours le numéro 6, Victor Ludorum qui est en dernière position alors qu'ils sont maintenant dans le bas de la descente pour aborder dans quelques instants la fausse ligne droite. Circus Maximus, le numéro 2 qui a le meilleur. Persian King qui vient à son intérieur et deuxième avec Siskin. Toc Rose qui est en troisième position, Pinatubo qui est quatrième. Romanized est maintenant en avant-dernière position et Victor Ludorum, Toc Blanche, est en dernière position alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Et Circus Maximus qui va maintenant tenter de durcir la course à son intérieur. Voilà Persian King, Siskin est en troisième place, Pinatubo est quatrième avec Victor Ludorum qui refait maintenant du terrain. Persian King qui a plongé à la corde et qui a pris le meilleur sur Circus Maximus qui est en deuxième position, Siskin qui est troisième, Pinatubo qui accélère maintenant en dehors. Persian King qui a le meilleur avec deux, trois longueurs d'avance maintenant sur Circus Maximus et Pinatubo qui termine comme une flèche, comme une bombe complètement à l'extérieur. Persian King, Pinatubo, de mieux en mieux qui vient en deuxième position. Persian King qui va remporter ce prix du Moulin de Longchamp avec Pierre-Charles Boudot debout sur les étriers. Pinatubo sera deuxième, Circus Maximus est troisième. Persian King qui n'a pas seulement remporté ce prix du Moulin de Longchamp, une édition historique, mais il a terrassé ses adversaires.